super bien qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, simplement pour une vidéo très spéciale, donc spéciale pour les 2000 abonnés, c'est simplement la deuxième version de mon pack de textures, donc qui est au moins 10 000 fois mieux que la précédente version, plus de bugs et beaucoup plus joli et beaucoup plus original, comme vous pouvez le voir. Donc tout d'abord, bah, ça va être la première vidéo, je crois, que je vais sortir, donc pour les 2000 abonnés, je tiens juste à vous remercier, c'est un truc de fou. C'est juste un truc de dingue quoi. 2000 abonnés, ça représente vraiment beaucoup pour moi. Et voilà, de vous voir, vous êtes 2100 sur ma chaîne. Même 2100 à l'heure où je tente cette vidéo, c'est juste énorme. Mais voilà, je vous remercie déjà. Et je tiens déjà aussi dès le début à remercier Thermael, tout simplement pour m'avoir fait ce magnifique texture pack. Sa chaîne sera dans la description. Donc je vous invite à aller faire un petit tour, ça me ferait plaisir. Parce que voilà, il m'a fait juste un pack de textures, comme vous pouvez le voir, magnifique. C'est juste super joli. Voilà, donc on va tout de suite commencer donc avec tout ce qui est armure. Voilà, donc les armures, je les trouve juste assez jolies. Elles ressemblent vachement, je sais pas si c'est les mêmes que mon ancien pack, mais je les trouve juste super jolies. On va juste voir ce que ça donne. Donc sur le personnage, je sais que ça donne un truc, c'est super beau. Hop. Voilà, vous voyez, ça rend super joli. Ça fait un petit effet, là, vous voyez, faire ça. Moi, personnellement, j'adore, tout simplement. Je trouve ça juste joli, super joli. Enfin bref, je vais pas le répéter toutes les 10 000 fois. Enfin bref, voilà. Aussi, donc, les armures en diamant sont simplement roses. Tout ce qui est en diamant, c'est rose. Parce que, voilà, il m'avait fait ça comme ça, parce que je trouvais ça juste super joli, que ce soit rose. Enfin voilà, c'est mon trip. Enfin bref, voilà. Donc là vous pouvez voir les fioles d'XP qui sont aussi juste super belles. Les fioles d'XP, j'ai été impressionnée par le travail, enfin le travail je sais pas si ça dit, mais par comment elles sont juste super jolies, originales et tout. Donc vous pouvez voir les particules hein, donc qui sont des petites étoiles. Vous voyez, regardez sa bouche, ça change de couleur, c'est juste super beau. Et donc voilà. Donc là-haut, là, comme vous pouvez le voir, il y a le seau de lait. Donc tous les autres seaux sont comme ça, hein, sauf que c'est pas de la même couleur. Et là, il y a tout ce qui est instrument. Hein, donc vous voyez, en diamant, bien évidemment, c'est rose. Et le briquet qui est plutôt original et que je trouve assez sympa. Le briquet, il est plutôt cool. Voilà, donc le briquet, il est là. On va essayer pas trop de brûler. Hop. Vous voyez, donc ça fait super joli. Bah tiens, vous voyez le feu. Voilà, et quand on brûle. Alors on va vite faire procéder. Vous voyez, hop. Vous voyez, si on voit pas trop les flammes, et donc c'est assez pratique pour PVP. Hop, on va éteindre le feu pour éviter de faire un peu un carnage. Donc voilà, donc vous pouvez voir, alors là, les épées qui sont aussi super jolies, elles sont assez originales. Elles sont, en fait, j'aime bien parce que c'est lisse en fait, c'est propre. C'est joli, il n'y a pas le bug du côté. Et elles sont agréables à regarder. Donc là c'est l'épée en diamant hein, parce que c'est, voilà, vu que c'est rose, c'est agréable à regarder. C'est fin, c'est joli. Donc elles sont toutes pareilles sauf qu'elles sont de couleurs différentes. Donc là nous avons l'arc qui est rose. Donc c'est vraiment avec la flèche rose. Hop, vous voyez quand vous lancez, ça fait des petites particules roses que je trouve super jolies. Hop. Voilà, donc la flèche est également rose, hein. Donc pour rester un peu dans le thème girly, donc je suis désolée, hein, parce que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, c'est des garçons, et je suis désolée, mais bon, c'est un pack assez girly, mais ça, voilà, je le trouve juste magnifique, moi. Donc après, nous avons, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Les potions, donc les potions qui sont plutôt pas mal, elles sont simples, mais je les trouve jolies, donc vous voyez, alors quand on boit, hop, voilà, donc après ça fait des petites particules comme ceci. Et hop, et quand on lance, voilà, des petites particules comme ceci. Et voilà, donc là, ça fait un petit mélange. Voilà, je me sens étoilée. Donc voilà, donc ça, c'est pour les potions. Hein, franchement, vous pouvez voir, hein, regardez, hop, c'est juste magnifique. Hein, les étoiles, elles sont très agréables à regarder. Donc ensuite, nous avons aussi les soupes que je voulais vous montrer parce qu'elles sont, différentes. Vous voyez, c'est un bol arc-en-ciel que je trouve juste énorme. Je sais pas si vous voyez bien. Là vous pouvez voir, regardez, c'est juste magnifique à regarder. Donc c'est simplement arc-en-ciel hein, pour rester un peu dans le thème des licornes. Et donc un truc que j'ai été choquée quand j'ai vu ça, que je ne pensais pas que c'était possible, c'est tout simplement les underperles. Donc si je les retrouve, vous allez être choqués vous aussi. Regardez, ça tourne hein. vous trouvez ça peut-être con hein, mais je suis choquée, je ne savais pas qu'on pouvait faire tourner les underperles, faire une petite animation comme ceci. Et enfin je sais pas, c'est juste énorme. Hop, donc vous voyez. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si ça fait des particules en fait, les underperles, quand on lance. Voilà, donc vous voyez, ça fait des petites particules assez mignonnes.
Hop, donc voilà, donc ça c'est pour les underpearls. Et donc là, ce que je vous ai montré, c'est un peu tout ce qui est PVP. Hein. Donc là, voilà, c'est vraiment tout le côté PVP et un peu survie. Hein. Et donc aussi, ça c'est l'armure pour chevaux, que vous avez pas remarqué. Moi, j'avais pas direct remarqué. Voilà. Alors, on va passer. Donc ici, c'est l'inventaire du coffre, simplement. Il y a un skin de moi avec écrit licorne que je trouve juste magnifique. Et quand on regarde dans mon inventaire, tout simplement, voilà, ça fait Miss Pack avec un vieux rose que je trouve juste magnifique. Ce rose-là, il est super beau. Avec Rainbow Dash là qui est en mode Thug Life et le nom de mon pack, donc le Miss Pack, ainsi que ici des licornes. Tout simplement voilà, donc je sais pas si vous voyez sur la gauche, il y a sur les effets, il y a des petits trucs licornes et ça rend juste aussi très beau. Voilà. Et donc le coffre, voilà, je vous ai déjà montré, mais bon, voilà, j'aime bien beaucoup. Donc ensuite là, donc c'est tout ce qui est la lumière, donc c'est-à-dire les lampes de redstone ainsi que la luminite. Ici c'est donc la laine qui est assez originale et que j'apprécie énormément. Elle fait un peu, enfin elle fait un peu, je sais pas comment dire, ça fait un peu fantastique tout ça et j'apprécie vraiment beaucoup. Donc ici nous avons le four avec donc une licorne bien évidemment, ainsi que la table de craft avec moi qui fait extraordinaire. Donc c'est juste magnifique, vous voyez. Donc voilà, donc ici la licorne est ici, moi, en train de dire extraordinaire. Donc ici nous avons l'eau qui est transparente et qui est juste magnifique. Simplement parce que je la trouve belle, parce qu'elle est elle est lisse en fait. Elle est, comment dire, elle est lisse, elle est propre, l'eau... elle est transparente par rapport à l'eau de Minecraft basique que je trouve tout simplement dégueulasse. Et là franchement elle est juste magnifique. Donc voilà, donc vous pouvez voir là les petites particules que ça fait quand on saute dans l'eau. Donc là nous avons la lave qui est aussi pas mal, hein. Donc vous voyez, elle est plutôt jolie, hein. Elle est bien faite. Vous voyez, ça fait des... Ça le... Enfin moi je trouve que ça le fait, je trouve vraiment qu'elle est très jolie. Donc ici, nous avons tout simplement tout ce qui est pierre taillée, qui est aussi jolie, je me rends compte que je brûle. Hop, qui est aussi magnifique, hein. Franchement la pierre taillée, voilà, en fait ce que j'apprécie vraiment dans mon pack c'est que c'est clean en fait, c'est propre. C'est juste waouh. C'est juste extraordinaire, c'est très beau. Donc là nous avons les beacons, donc ils sont roses, hein, pour ne pas changer, hein, rose est une magnifique couleur après tout. Donc voilà, donc ils sont roses, rose, enfin plus violet que rose. Et là nous avons les toiles d'araignée, je pense que celles-là sont tirées du Faithful. Vite fait parce que je reconnais. Alors là nous avons les animaux, j'ai tout simplement fait une cage animaux car certains animaux sont modifiés. Comme le mouton et la vache, j'ai pas mis de vache, bon c'est pas grave. Et aussi la poule, hein, qui est la poule qui est juste trop mignonne, elle est juste super mignonne, il n'y a rien à redire là-dessus. Et donc j'avais mis des PNJ, je sais même plus pourquoi, alors que l'inventaire des PNJ, voilà, il n'est pas changé. Donc ici nous avons les minerais simples, tout simplement les minerais simples qui sont... Bah ils sont plutôt beaux, hein, moi je les trouve assez sympas, ils sont jolis, ils sont propres, ils sont clean, vous voyez, là c'est donc l'émeraude, le fer, merde j'ai cassé, le diamant, donc qui est rose, hein, bien évidemment, pour coller un peu avec tout ça. Donc le diamant qui est rose, donc là c'est bien évidemment l'or, le charbon, ainsi que la redstone et le lapis. Donc je trouve vraiment que voilà, ça colle bien, que ça colle bien avec mon style. De texture pack, c'est vraiment des texture pack comme ça, j'en trouve, il n'y en a pas tellement. Et que je trouve juste super jolie. Donc là nous avons les bibliothèques, donc ils sont assez aussi custom, hein, sont assez spéciales. Et là les blocs bien évidemment, les blocs qui sont assez jolis, hein, que voilà ils sont peut-être un peu simples, hein, voilà ils sont clean, au moins ils sont propres, que je trouve super beau. Et j'adore, c'est la couleur des blocs de redstone, je sais pas vous mais j'adore cette couleur, je trouve ça juste super beau. Donc après vous pouvez vite fait voir le paysage, hein, parce que tout simplement il n'y a rien d'autre vraiment trop à montrer. Déjà le soleil là-bas franchement c'est juste magnifique, et donc la lune qui est là-bas. On va juste mettre, ouais non on va pas mettre le jour, on s'en fout. Donc ici là nous avons bien évidemment donc la terre, donc qui est assez jolie. Donc voilà, là il y a les citrouilles au niveau, bah, qu'est-ce que je peux vous dire. Il y a aussi les pommes qui sont changées, vous voyez, à son rose. À son clean, à son joli, je trouve, franchement. Donc les pommes, voilà, qui sont roses. Voilà, vous pouvez voir, c'est assez, je trouve que c'est assez mignon. Donc après, vous voyez, là, il y a tout ce qui est fleurs, cactus. Je pouvais pas tout vous poser, hein, parce que quand même, j'avais pas tout posé. Hein. Ça aurait fait un peu bizarre. Voilà, donc tapis. Là, il y a les seaux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les armures pour chevaux, etc. Donc voilà, donc là, vous voyez un peu tout. Après, je vous inviterai à vraiment voir par vous-même.
Donc voilà, donc je pense avoir fait le tour donc sur cette petite review de ma V2 de Montexture Pack. Donc si tu as apprécié donc cette vidéo, je t'invite à la liker, à la commenter et à t'abonner à ma chaîne simplement. Donc voilà, donc le pack sera disponible à partir des 100 likes. Simplement, c'est pour ça qu'il faut partager un maximum. Un maximum, sérieux. Enfin, et je vous remercie encore une fois pour les 2000 abonnés. C'est vraiment un truc de fou. 2000 abonnés, c'est, faut se dire, 2000 abonnés devant soi, quoi. Enfin, il y a 2000 abonnés qui me suivent. Enfin, c'est juste énorme. Enfin, bref, voilà, je pense que vous m'aurez compris. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss!